Salut YouTube, re-bienvenue sur le deuxième épisode de Dev Bloom Chapter 1. Si t'as pas vu l'épisode 1, hop, je te laisserai regarder ça. Merci Arkmindy pour ton follow. Dev Bloom, qu'est-ce que c'est? On peut le dire, je pense, maintenant qu'on a joué un peu dessus. C'est un Resident Evil-like en vue FPS fait par un mec tout seul qui est sorti en mai 2019. Qui est complètement incroyable. Je prends mon pied, le chat, regardez. Et chaud comme d'habitude. Pour résumer vite fait ce qui s'est passé, on a découvert que notre grand-père était apparemment en pété de thunes et qu'il avait un vieux manoir. Notre mère nous avait dit que notre grand-père était mort il y a déjà des années, des années, des années. On est dans ce grand manoir et il y a des zombards et des chiens possédés du Resident Evil, quoi, du classique. Et on essaye de sortir de ce manoir. Et pour sortir, il faut qu'on trouve deux clés. Voilà. Je pense que j'ai à peu près bien résumé. Du coup, on devait se rendre. Je ne sais plus du tout, chat. Ça y est. Je ne sais plus du tout. On a fait une pause de 5 minutes, j'ai tout oublié. On était allé là. Ah oui, de l'autre côté. De l'autre côté, dans la salle où il y avait des sons bizarres. Eh oui, regardez l'épisode d'avant, bien sûr. Alors, je crois que c'est par là. Ah oui, 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 c'est par là. J'avais tué le zombie, ouvert la porte. Voilà, et là, il y avait la grille. Voilà, c'est là. Mais non, là, j'avais tué la meuf. Dragging. Donc dragging, on est d'accord que ça veut dire tirer. Hein. Donc il y a peut-être un passage secret. Là, regardez. C'est là. Il faut pousser ça, là. Ah, c'est ça. C'est ça. Je suis mort tellement fois sur ce genre de jeu en allant au WC sans mettre pause. Ah bah ouais, c'est clair. Oh non, 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 non. Je vais prendre le flingue au cas où. Les petits sons là. Alors je sais pas si vous avez déjà essayé, mais essayer de ramper en tenant une arme à deux mains, c'est très difficile. Comment tu vas, Akia? Tu vas bien? Oh, on a le code 4735. Ok, souvenez-vous en chat. Hyperblock, comment tu vas? J'ai une question. Vas-tu faire un tuto pour les grandes maps Phasmo? J'arrive jamais à trouver le fantôme. Alors le meilleur moyen, voilà, je prends 30 secondes de trouver le fantôme sur les grandes maps. Je crois que maintenant toutes les portes commencent à fermer. Donc si tu trouves une porte ouverte, voilà. Et le micro parabolique. Moi j'aime énormément me servir de micro parabolique. Qui Pardon, excusez-moi. Oui, je parle de Phasmo sur votre jeu. Je suis désolé. Les gens ont des questions. YouTube. J'ai un shotgun. J'ai un shotgun. Non mais voilà, s'il te fallait une raison supplémentaire pour regarder le jeu. Le micro parabolique, Nico. Ouais. Ah. Ok, j'ai 6 balles. Alors attends. 47-35, ok. Alors il y a des petits lags, hein, ça vient du jeu. Ça vient de Unity, sa mauvaise gestion de la lumière, ou je sais pas pourquoi. Ça me le faisait un peu comme sur les maps en Phasmo, sur le campement, tu vois. Des petits lags un peu chiants. Putain, on a un pompe. On a un pompe. Comment tu vas, les lucioles? Ça fait un bail. Oh, et puis ça a l'air d'être un putain de pompe tactique. Oh ouais. En vrai, couteau, pompe, pistolet, hein, t'as rien besoin de plus. Hein. Peut-être un petit pied de biche, mais écoute, ça va très bien. Oh, alors attends. 47-35, c'est ça le code. Hein. Tu vas bien, Miga? Non. Il y a des bruits chelous. 47-35. Alors attends, je vais reprendre le gun. 47-35. On va la one shot. Le petit ralenti, ça me fait rire.
Oh, stylé la tête là. Attendez, c'est pour YouTube, c'est pour la miniature numéro 2 de YouTube. Ok. Elle est pas mal celle-là. Hop, petite miniature pour YouTube. Ok, 47-35. Il est où? Est-ce qu'il m'a entendu? J'ai entendu un zombie. Hein. Je sais pas où il est. Alors je sais pas s'il y a des boss comme dans les Resident Evil. Ouh, comment tu vas, Kali? Je suis dans quelle pièce là? Je suis dans le lounge. Ok, là-bas il y a des bougies. Vous les voyez les lags ou pas? Si vous les voyez pas, écoute, ça va. Durant l'ascension de notre nouveau mec, Augustine croit. Ah mais il y a une clé. Il y a une clé. C'est devenu incohérent, quelqu'un est devenu violent. Alors je sais pas s'ils vont expliquer le. Le fait que les gens se changent en zombies ou pas. Oh, la clé de l'observatory. Nice. Ok. Vous les voyez un petit peu? Est-ce que vous voulez qu'on baisse les graphismes du jeu ou alors ça passe? Si vous voulez, dès que ça sauvegarde, vous me le dites, on peut baisser vite fait les graphismes. C'est vrai que les petits jeux indés comme ça, des fois, c'est mal au petit. Et les cadavres disparaissent pas hein, depuis le début du jeu, c'est ouf. Ça passe ? Okay. Okay. On va pas courir. Il n'y a pas de zombies. Oui ! Merci beaucoup, Oli. Comment tu vas, Oli ? Merci pour ton prime. Pour deuxième mois. Merci beaucoup. Allez. Ça passe ? Ah bah attendez, ça a sauvegardé là. Oh, des supplies de Christina qui nous aident. Des munitions et tout. Nice. Attendez. C'est un délice pour le moment, cool. Alors attendez, ça a sauvegardé, on est d'accord. Ça a sauvegardé. Je teste, hein. Ok, ça a sauvegardé. On va retourner vite fait au menu, mais juste vite fait. Et on va baisser un peu les graphismes. C'est vrai que les lags, c'est un peu chiant. On va se mettre juste en beautiful. On était en fantastique. Voilà. Continue. Puis on verra si ça change quelque chose. Ça lag moins que le campement. Ah, ça a l'air mieux là. Ok. Mais attendez, je dois être pété de bastos maintenant. Je suis à combien niveau bastos là? 24 et 12. 6. C'est tout? Je m'attendais à plus. Alors, il faut qu'on aille à l'observatory. Ok. Holy shit. Donc ça c'est Christina qui nous aide. Where are you? Oh là 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 là. À mon avis il va y avoir un bug. Je suis désolé hein, c'est pour YouTube. Je suis sûr que vous comprenez. Les miniatures de qualité c'est important. Ok, donc là c'est l'observatory. Vous voyez en face de l'observatory c'est marqué flex. Je sais pas, c'est bizarre. Résolution moins jolie je trouve. Un petit peu ouais, mais il n'y a pas de lag. Après c'est à voir ce que vous prenez. Moi je préfère quand même la fluidité mais... C'est au niveau de la lumière je pense. Alors, qu'est-ce que c'est que cette salle? On a le premier truc ici. Je visite hein, au cas où. Ok, y a rien. Non, merde. Non. Attendez, c'est fait exprès ou je suis mort?
Attends, est-ce que je peux le remettre dessus? J'ai pas la map? What? Ouais, ça c'est un piège à la RE. Mais attendez. J'ai mes munitions. Pourquoi j'ai pas la map? C'est fermé? Attendez, c'est un bug? Faut que je le repose? Je peux pas le reposer? Ah non, non, il y a une porte qui est apparue. Okay. C'est... What? Pardon. I've grown fearful and sleep in case I see her again. The woman with the knife. She's only in the hallway when all the lights are off. Walking aimlessly, looking for something. Why are they closed so badly? Ok, elle a dit seulement quand toutes les lumières sont éteintes. Je peux pas souffler sur les bougies. Je me dis, il faut éteindre ta lampe, hein, on sait jamais. Ok, donc c'est le moment scary du jeu. Attendez, il faut que la lampe reste éteinte. Attendez. Il faut que j'éteigne ma lampe. Oh les bâtards. Ah non. Ok, ça a créé un truc ici. Gamer, comment tu es gamer? Merci pour ton quatrième mois, gamer. Non, non, les gouttes, c'est, ça reste toujours... ben, ça disparaît pas. C'est stylé. Donc j'ai pas la carte. Vous entendez le bruit sourd là? Un briquet? Ok. Prends le briquet avec toi, non? Non? Ça a ouvert un passage ici. Escalier. Là, c'est d'où je viens, non? Non. Oh merde, chat, on monte ou on descend? C'est un ghost event, ouais. Bon, t'inquiète pas, je mettrai la suite bientôt sur YouTube, Kenny. Mais ouais, je te comprends. Attendez, c'est d'où je viens, donc là ça devrait être fermé en principe. Ouais, voilà. Ok, ok. C'est d'où je viens. On descend, on descend. Autant continuer de s'enfoncer dans l'enfer. Yeah! Honnêtement, je comprends pas comment ce jeu n'a pas pu cartonner. Quoi. Un jeu qui coûte 5 à 10 balles. Que je trouve beaucoup mieux que Resident Evil 3 Remake, tu vois, par exemple. De l'herbe verte! Le vent souffle sur les plaines. Attendez, il y a quelqu'un là? Des bisous, Kenny. Il n'y a personne. As above, so below. Comment tu pourrais traduire, Camille? Je sais pas si t'es là, Camille. Comment tu pourrais traduire as above, so below? Comme au-dessus. Above, c'est au-dessus. Below, c'est en dessous. J'adore le jeu. Je le trouve excellent. Les bougies sont pas allumées. Comme au-dessus et ci-dessous. Ouais. À l'endroit comme à l'envers. À l'endroit comme à l'envers. Merci Marshmallow d'ailleurs pour ton follow. Je crois que t'as follow hier. Une fois que le stream était fini. Oh la putain! J'ai failli tirer, hein!
Oh, vous allez voir le battement de cœur monter d'un coup, je pense. Ouf. Non? 86? Ok, donc là j'ai mis. Hein? C'est fermé, ça contient des vieux bouquins écrits dans une langue étrangère, dans une autre langue. Je l'attendais, tu vois, je l'attendais. Ok, j'ai éteint toutes les bougies. Ça doit être le boss, à mon avis. On va remonter. Là, il y a un truc devant. Ah non, c'est la porte. C'est... Bonjour. Il y a une lettre par terre. Oh, c'est stylé, ça. Bonjour, bonjour. Non, non, calmez. Ah, c'est ça, le nouveau cri de la banshee? D'accord. Death, it's just, la mort n'est que le commencement. Faut que je saute? Chat, je saute? Respect, ça doit être difficile de coder un jeu comme ça solo, mais tellement, mais tellement. Bon, chie, ouais. Je saute, hein. Ouais. Geronimo! Oh! Le mec, il s'est évanoui direct. Il a dit, oh non, je le supporte pas. Ok, donc on a la première partie. Ah, ça lag encore un peu, hein. Donc c'est vraiment la gestion de la lumière qui a du mal. What? What? J'ai un arc? Mais? J'ai la clé du cabinet. La clé du cabinet. Alors je sais pas où c'est, on va regarder. Quoi? J'ai un arc! What the fuck? Ah mais c'est trop bien! Alors attendez. Attendez. J'ai envie de tester, mais j'ai que 3 flèches. On testera sur un zombie. Non, je vais tester maintenant. Il faut que j'en ai l'info. Non mais non, on testera sur un zombie. En fait, je voulais savoir si je reste appuyé sur la touche, est-ce que ça tire ou ça retient la flèche? Alors, Christina, j'aurais dû vous prévenir qu'il y avait quelque chose de bizarre avec cette pièce. I made sure the door was closed so nobody found you stumbling. Ah, j'ai bien fermé la porte. Je me suis arrangé pour que la porte soit fermée pendant que vous étiez dans les vapes. Et oui, parce qu'avec le gaz et tout. Ok, je vous ai spray un truc sur la gueule à base de plantes pour vous. Faire sortir de ce bad trip qui s'appelle le Death Bloom. Donc le Death Bloom, c'est bien une plante. Et ils ont l'air d'en faire une drogue. Donc c'est ça apparemment qui les aurait rendus en mode zombie. Ok. J'ai un putain d'arc, Chad. J'ai un putain d'arc. Alors attends, on a la clé. On a la clé de quoi? De cabinet. La clé du cabinet. Est-ce que vous voyez un cabinet sur la map? Study, grand hall. Je vois pas, hein. Cabinet, c'est quoi cabinet, chat? C'est un placard? C'est un... Cabinet? C'est pas les chiottes, hein, attendez. Ah, merci, Baranovic. Écoutez, on va continuer par là. Par contre, je veux pas vous mentir que je me sens mieux avec une arme qu'avec un arc, hein. Dans les mains. Désolé. Oh, le pauvre. Désolé. Ça va être le titre de la VOD. On tue des chiens. Oh, petit toutou. Regardez. Ça pourrait faire un emoji. Attendez. Faites un imprime écran. Faites-en moi un emoji, chat. Hey. C'est un emoji. Il est stylé.
Non, mais calmez-vous, il a voulu me tuer. C'est bon? Vous avez frais la prime écran? Alors. Je l'avais pas vu. J'ai envie de tester le pompe, mais j'ai pas envie de niquer mes balles, tu vois. Petit coup dans le cul. Wow! Ok. Il a la patte folle. Je les connais. Regardez, il a la patte folle. Ça, c'est quand il pense à Légis. Pardon. J'adore le ragdoll, hein, désolé. Alors, attends. On est où, là? Le pompe, le gun. Okay. Ah, on est de retour dans le grand hall. Ok. Il faut que j'aille à la librairie. Comment je vais à la librairie? Le grand hall, ok, faut que je fasse le tour du grand hall. Et que je passe du coup de l'autre côté. Ok. Il a un problème au pied. Il va revivre à travers les emojis, mais exactement. Vous l'avez vu? Est-ce qu'on teste à quel point le jeu est bien codé, chat? Chat, Modo, c'est l'heure de faire une prédiction. 30 secondes, prédiction ultra rapide. Est-ce qu'à votre avis, quand je vais le tirer dans la gueule, est-ce qu'il va se recevoir la balle ou pas? Allez-y, prédiction, c'est un moyen de se faire des points de chaîne assez rapidement. Comment tu vas, Zox? Merci beaucoup pour ton follow. Pour ton follow. Les zombies ont Parkinson, exactement. Exactement. Allez-y, j'attends. Je vais aller voir ce qu'il y a de l'autre côté en attendant. Est-ce qu'il va se prendre la balle ou pas? Allez-y, il y a une petite prédit. Ok, donc ça doit être là, je pense, la porte. Ouais, c'est ça, pour aller à la librairie. Ok. Ah, ça lag un peu dans la grande salle. Vous verrez, pariez vos points de chaîne. Je me mets exactement où j'étais tout à l'heure. C'était là. Est-ce que ce chien va mourir? 100% oui, ce jeu est mieux codé que Call of Duty. Bah écoute, on va voir. On va voir ça dans 10 secondes. C'est parti, prédiction. Et c'est un non, mesdames et messieurs. C'est un non. Les rambardes. Voilà. Désolé. Désolé. Est-ce qu'il me voit si je fais ça? Désolé, désolé toutou. Ouais, je sais, c'est pas grave. J'assume. Regardez, il est encore mort la bouche ouverte. On va recharger. Attendez, est-ce que je peux placer le premier saut? Yes. Ok, let's go. Adieu les gouttes. C'est pas surprenant, mais j'ai voulu y croire. Mais moi aussi, hein. Moi aussi. Alors attendez, est-ce qu'on a des munitions, quelque chose ici? Généralement, quand tu visites un peu dans les Resident Evil, toujours des munitions, des conneries. Oh putain! Oh! Il s'est dit oh non! Oh non, j'ai la flemme! Ah ouais, donc quand tu cours, il t'entend. Il est vénère, lui. On va tester l'arc, chat. Ah ok, c'est un script, si je me barre il se barre. Et là il va retourner à sa place. Non? Ah j'étais mal placé, je me remets là, attends. Je vais lui donner des coups de chlasse. Bon par contre il a la flèche dans la gueule, ça c'est stylé je trouve. Donc l'arc ne marche pas pour des coups critiques. Ok, est-ce que je peux récupérer mes flèches? Non, non, la flèche, c'est bien fait en vrai. Je peux récupérer ma flèche. Magnifique. C'est magnifique, chat. Par contre, le couteau est cheaté. Hein. Le couteau est cheaté dans le jeu.
Le couteau est over-cheaté. Mais attendez, j'ai envie de visiter ici, moi, du coup. Ah, et là, je redescends. Ok, là, je redescends dans le grand hall. Vu le couteau, marche dans le pipeau. La flèche marche aussi dans le pipeau. Pourquoi pas? Alors. Ok, donc ça, c'est juste les escaliers. Là, c'est fermé. Ok. Écoute, pour l'instant, niveau balle, on est bien. On va continuer. Putain, il m'a fait tellement peur, par contre. Ah non, mais le couteau, généralement, c'est cheaté dans les jeux de ce style. Hein. Alors. La librairie. Ah merde, je suis déçu, c'est juste des balles. Comment je fais pour aller dans cette putain de librairie ? D'accord qu'il n'y a qu'une seule porte. Hein. Je me perds. Là, il y a une porte. Ok. Ah, mais c'est où j'étais tout à l'heure. Dining room, la librairie. Donc la librairie est censée être derrière. Il n'y a pas de... Attendez, je comprends pas cette map, comment elle marche, chat. Attendez. C'est clair. Attendez, c'est peut-être par le rez-de-chaussée. Là, c'est l'escalier qui amène là-bas. Là, c'est l'escalier qui amène là-bas aussi. Attendez, la sitting room, il y a un escalier. Là. L'escalier, il monte ou il descend là? Il monte. Ça doit être par là du coup. Attendez. Aïe! Attendez. On a une petite visite. Quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est joli! Qui s'est caché ça? Maman. Tu dis bonjour? Bonjour! 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 Ça va? Ça va. Regarde le chat. T'as vu? Tu m'as pas amené de crêpes aujourd'hui. Tu n'as pas mangé. Tu as rien mangé? Qu'est-ce que tu vas manger? Maman, elle a pas cuisiné? Non, il a pas piano. Piano? Il y a piano. Ah, tu vas jouer du piano? Ouais, c'est cool. Papa, il faut entraîner. Oui, je sais, moi je suis nul au piano, il faut que je m'entraîne. Tu as raison. Quand il y a piano, papa, tu peux faire tchou-tchou-tcha. Tchou-tchou-tcha, je peux faire? La musique? Ouais, c'est vrai. Tout à l'heure. Oui. Oui. Attends, j'entends pas. Viens ici pour parler, je t'entends pas. C'est papy de copain, mais... C'est le copain de papy? Oui, mais oui. Il est à papy. À papy. D'accord. Allez, file. Tout à l'heure? Oui, tu vas chez le copain de papy? Non, copain de papy. Je vais donner au cas. Un cadeau? Ah, parce qu'il va donner un piano pour toi? C'est gentil ça. Oui, je vais donner. Ok, tout à l'heure. Des bonbons. Ah, des bonbons? Ah, ça c'est gentil ça. C'est bon les bonbons. Vanellope, elle aime bien. Tout à l'heure. Je suis désolé, hein, la princesse aime bien venir nous dire bonjour, hein, de temps en temps. Elle a bien parlé aujourd'hui. Ouais, non mais je sais, faut m'entraîner, je suis une bite au piano. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis une bite au piano. Bon, voilà, au moins vous avez l'info maintenant, je suis une bite au piano. On continue. Elle a 4 ans. Alors. Et j'abuse du couteau, hein, vous m'en voulez pas. Hein. Ou alors, vous voulez qu'on teste le pompe? On teste? Ou on garde pour le boss? Il y aura peut-être un boss. Hein.
De moins en moins timide, ouais. On teste. Oh, je suis déçu. Ça, on dirait les trucs qu'il y a dans ta bagnole. Attendez, j'ai envie de tester un truc. J'ai envie de tester un truc, chat. Ne m'en voulez pas, d'accord? Ne m'en voulez pas. La VOD, ils auront pas la musique en plus. Eh, ça le fait trop. C'est la musique de Cotton Eye Joe, si vous voyez ça sur YouTube. Ah, ça le fait, ça le fait, ça le fait, ça le fait. Ça le fait. Alors. On continue, on continue. Non, parce que me connaissant, j'aurais pu faire... Ah, j'avais pas vu qu'elle faisait bouger le bras et tout aussi. J'aurais pu rester comme ça 10 minutes. Hein. Alors. Comment tu vas, Oumi? Tu vas bien? Mais y'a pas le son, Tutis. Y'a pas le son des musiques. Ok. Là, y'a rien. Tu nous ambiances en plein jeu d'horreur, plus rien ne va. Mais j'ai toujours... Alors, il faut dire aux zombies de regarder de l'autre côté aussi. Hein. Brow. Alors, est-ce qu'il va nous faire une petite musique, celui-là? Ouf, c'est... Attendez. Mais dis donc, mais ils adorent la country, ici. Ah, c'est là que j'ai tué le clébard. Ok. Ouh, la cuisine. Je suis dans la kitchen, ok. Oh, des flèches. Nice. WC d'autoroute. Il fait coucou. A metal bar is stopping the door from being open. I need something stronger. Ok, il faut que j'ai quelque chose pour couper la... Enfin, casser la barre, quoi. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, ok, c'est la salle à manger. Dining. Mais je suis désolé, mais la librairie, je la trouve pas. Elle est censée être par là, non? Brian is in the kitchen. Sur la droite? Eh? Chat, je trouve pas la librairie, là, je deviens fou. Coup de pistolet? Non, non, c'était marqué qu'il fallait que je trouve un truc plus lourd que ça, en fait. Attends, attends, je suis dans quelle salle? Là, je suis dans l'observatory. Donc, je suis du mauvais côté. Comment je vais dans cette putain de librairie, chat? J'arrive pas à comprendre. Là, c'est fermé. Non, 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 et là, je veux pas. Attends, il m'a mis quoi? I don't think there's anything I need here anymore. Ah, ok, donc je peux pas y retourner. Alors, attends. Des bisous, petite crêpe. Donc, c'est de l'autre côté. Attendez. C'est pas tant un labyrinthe que ça, au final. On va essayer de ce côté. Et là, donc là, c'est l'escalier. Ok. On va bien y arriver à un moment. Par le bureau. Donc là, c'est la dining room. Donc on n'est pas loin de la librairie, en vrai. Là, c'est la cuisine. Donc je suis au niveau de la metal bar, quoi. Où c'est marqué metal bar. Entre dining room et cuisine. Donc il faut que je descende. Donc je continue le couloir et je devrais arriver à la librairie. Par là. En principe. Puisque là... Je suis dans le lavatory, donc je continue, il va y avoir des escaliers.
Je prends pas les escaliers. Voilà, c'est d'où je viens. Et donc c'est ici en fait. Ok. Je pense qu'on est bon. Comment tu vas, Padawan? Tu vas bien? Oh, Padawan, t'as pas vu ma nouvelle alerte? Ok. Je suis persuadé que c'est là. Non! Mais non! Ok, donc il faut que je trouve une clé. Donc il faut que je trouve un truc pour casser la barre. Vous pensez que je peux tirer dessus? On dirait les trucs de maison, tu sais, dans les fêtes foraines. Excellent. Ouais, je vais très très bien, je vais très très bien. Alors attendez, la barre. Je vais relire ce qu'il mettait sur la barre. La barre, elle est où? Elle est au niveau de la cuisine, donc elle est ici. Il mettait... Une barre en métal qui empêche la porte de s'ouvrir. J'ai besoin de quelque chose de plus dur pour la... Pour la frapper, quoi. Oh, pas mal le petit bruit. Non, ça marche pas. Il faut un pied de biche ou quelque chose, ouais. Faut que je trouve. Attends. Qu'est-ce qui est long et dur, mesdames et messieurs? Chat! Qu'est-ce qui est long et dur? Vous avez une idée? Oh mon dieu! Ça va être le titre de la vidéo YouTube, ça. Qu'est-ce qui est long et dur? Du pain dur, c'est vrai? Une baguette bien dure? Ça peut faire le taf. Alors attends. Un train? Oui, c'est vrai. Dark Souls? Oui, oui, vous avez raison. Vous avez raison. Non mais attendez, par contre... Alors c'est la première fois qu'on se retrouve bloqué là depuis le début du jeu. Je regarde sur la table s'il n'y a rien. Le bedrock, je sais pas ce que c'est le bedrock. Ça, ça. Ouais, mais c'est tout deep. Alors, si vous avez une idée, vous avez le droit de me le dire. Juste pour ça, hein. Puisque là, j'ai pas envie de refaire toute la map de fond en comble, quand même. On va redescendre en bas. Ils ont mis un chien en bas, c'est qu'il doit avoir quelque chose à faire. Passer l'office. Comment ça, passer l'office? Le bras du zombie, c'est vrai qu'il a l'air dur. Là, il y a rien. Non, mais je pense pas. En plus, on peut pas tout fouiller. Là, c'est vraiment... Là, c'est la cave où j'étais la dernière fois. Ah ouais, je peux pas y retourner. Je peux pas y retourner. Oh, des bisous, Imren. Ou alors, tu dis au revoir à quelqu'un. Merci, Pruxen, pour ton follow. Tellement de titres pour cette vidéo YouTube, et bien sûr. Chat, est-ce que vous avez une idée? J'ai pas l'impression d'avoir loupé quelque chose en plus, hein. Là, on a rien. Non. Qu'est-ce qui pourrait être plus dur qu'une barre en fer? C'est bizarre, non? Je trouve ça ouf que les cadavres restent pour un jeu comme ça. Là. Oh, c'est ici. J'avais pas vu cette porte. La cloakroom. Ok. Il y a forcément un truc long et dur ici. Là, ça, regarde. Non. Si, donne. Je peux pas le prendre. Oh. Sérieux? Ropex? De l'acide nitrique! Let's go, baby! Un tisonnier, franchement, ça aurait pu le faire. C'était bien long, bien dur. Ok. Donc en fait, on s'était trompé. Donc c'était ça le cabinet. C'était le clock room. Ok. On a eu un peu de chance. Alors attends. Il faut que je passe par ici. Bon, la map est pas si labyrinthique que ça. C'est un peu comme le commissariat de Resident Evil 1 ou 2 au final. Hein. Tu galères un petit peu, puis au final, tu t'y retrouves quand même assez facilement. Alors. Holy shit! Oh, ça déconne pas, là, c'est nitrique. Hein. C'est nitrique. Alors, attends.
continue. Oh, j'ai trouvé un kit de soins. J'ai un kit de soins. Comment je m'en sers? Est-ce que je dois l'équiper? Je peux pas l'équiper. Alors attendez, comment je m'en sers? Est-ce que c'est marqué là sur le côté? C'est pas marqué. C'est peut-être automatique. Ah mais ok, comme je suis plein. En fait, c'est quand tu le prends que ça te sert. Ok, ok. Et on a la clé de l'office. Okay. L'office qui était la librairie, du coup, j'imagine. Ah, c'est vraiment salaud de pas avoir mis les mêmes noms. Ok, on sait qu'il y a un kit de soins ici, chat. Rappelez-vous-en. Oui, acide citrique, c'est du citron, oui. C'est pour ça que ça me semblait bizarre. J'ai toujours été très très fort en chimie. Ah, attends, la librairie, c'était par là, je crois. Là. Et on passait devant l'escalier qui était ici. Voilà, non. Mais si, si, c'est là. L'escalier, il est là. Yeah, let's go. Office, c'est dernière. Derrière la librairie. Ah oui, ok, ok. What? Et le cabinet, c'était le placard dans la cloakroom. Ouais, ouais. Ah mais attendez, attendez, du coup, attendez, si je vais à l'office, il y a peut-être un petit passage secret pour aller à la librairie. Donc il faut que je fasse tout le tour, donc il faut que je retourne dans la dining room. La dining room, bah, du coup, qui doit être en face de la kitchen. Donc la kitchen était là, donc la dining room, elle est ici. Que je passe... Ah oui, mais c'est bon, c'est bon. Attendez, je crois que je me repère enfin, chat. Attention, calmez-vous avec les bugs. Donc là, j'arrive ici. Et ensuite, l'office. Non, non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Non, non, faut que je fasse encore... Merde, faut que je fasse encore plus le tour. Plus par là, moi, je dirais. De toute façon, il n'y a pas 600 couloirs. Donc là, je reviens au tout début. Ok. Faut que je fasse le grand tour. Je... Mais non, mais non, mais non. Puisque là, je suis à l'observatory. Attends, attends, je suis en train... Comment je vais à l'office? Je passe par le rez-de-chaussée. Je pense qu'il faut passer par le rez-de-chaussée. Hein. Ça aurait été plus simple. Ouais, mais en même temps, c'est ça qui est bien. C'est le fait de chercher, tu vois. Moi, j'aime bien chercher. Puis l'ambiance est cool, donc ça, c'est pas dérangeant, je trouve. Donc, c'est pas dans cette aile-là. En fait, le truc, c'est que j'aimerais bien... Le grand hall, tu vois, il y en a deux. Ah non, c'est transposé comme ça. Je viens de comprendre quand. Je viens de comprendre en fait. C'est ok. Donc c'est dans le couloir en fait. C'est dans le couloir. Si je comprends bien. Hein. Donc ce serait dans ce couloir là. Ici. Là. Il n'y a pas de porte. Si, c'est là, c'est là. Oui, oui, c'est là. Oh putain, ah ouais, c'est vénère. Ah ouais, la carte, il y a un petit problème. Hein. Il y a un petit problème au niveau de la carte. Alors, on a des balles de pompe. Alors attends, qu'est-ce que c'est que ça? C'est de l'or. Ok, il doit avoir un secret avec ces conneries. On va visiter vite fait. Un téléphone, le téléphone marche pas, évidemment. On a une petite note là à lire, non? C'est fermé de l'autre côté. What? Donc la librairie est derrière cette porte. Comment je peux...
Attends, attends. Ouais, ouais, en fait, il faut prendre ce que vous voyez de la carte à droite, le premier étage, il faut le prendre et il faut le glisser dessous, au niveau du grand hall. Et ça, j'avais pas compris, mais. Attendez. Donc là, on a un escalier. L'escalier nous amène au troisième étage? Ouais. Il suffisait de demander, ouais. Pas de zombies. C'est bizarre. Oh, c'est stylé, elle est stylée cette librairie. On a rien. On a des plantes. Vous aussi, vous mettez vos plantes dans des armoires? Merci beaucoup, Miel-chan, pour ton troisième mois. Merci beaucoup, madame. J'ai une porte ici, ça m'amène où? Ok, ok, ça m'amène dans le couloir. Ok, où il y avait l'escalier. Donc, on a débloqué un raccourci. Eh bah écoutez, moi il y a des gens qui se plaignaient du level design sur Steam, je trouve que le level design est quand même bien pensé. Juste la carte qui est un peu chiante, mais... Eh Miel-chan, ça fait plaisir. Alors, attention, calmez-vous. Ok, là-bas il y a des bougies, il doit avoir la clé. Oh, c'est stylé. Something in this room is not like... Oh, quelque chose dans cette pièce n'est pas comme les autres. Augustine, talking about... j'ai entendu parler Augustine et Victor à propos d'une clé pour la restricted area. Elle est cachée dans cette librairie. Ils ont mentionné un contract, avoir payé un contrat pour construire un levier. Ok, donc il y a un levier au niveau des bouquins, j'imagine. His eyesight was always terrible though. Ok, sa vision par contre était terrible. Donc j'imagine que c'est un truc qui est pas trop bien caché. Ok. Donc il y a un truc caché dans la librairie. Qui est assez obvious apparemment. Puisque le monsieur a des problèmes de vue. Enigma time. Alors attention, calmez-vous. Laissez-moi chercher avant de me spoiler. Un truc assez obvious. Assez obvious, c'est un levier, donc un bouquin, une horloge. Strange looking scales on the table. Oh, ça a été poli récemment. Alors, le truc, c'est que je peux rien mettre dedans. Faudrait que je trouve des bouboules ou quelque chose. On va aller voir au rez-de-chaussée. Mais si, les énigmes, c'est très bien les énigmes. Alors, un truc obvious, là. Ok, y'a rien. Bon, si c'est juste fouiller vite fait des placards, c'est pas très dérangeant. À mon avis, y'a un truc à mettre dans la balance. Là, le livre vert, regardez, c'est bizarre comme ça un livre vert au milieu. Let's go baby, let's go. Un livre vert, mais bien sûr. Alors c'était où? C'était à l'étage que ça s'est ouvert? Non, ça devait être à l'étage. Ah, d'où sur la carte le petit tunnel? Mais oui, c'est ça. Ok. J'aime bien les énigmes. En tout cas, je sais pas si c'est lui qui a composé la zik, mais j'aime bien moi. La petite ambiance et tout, j'aime beaucoup. Okay. Et il fallait le trouver, le bouquin, quand même. Ouh là 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 là, qu'est-ce que c'est que cet endroit? Est-ce qu'on peut ouvrir ça? Non. Si. Si. Il y a même pas une munition, rien du tout. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça?
On a trouvé un objet. Ils étaient en train de surveiller la maison. Ok. Tu vas voir. Si c'est... Oh putain, les lumières sont éteintes. Si c'est comme dans un Resident Evil, chat, vous le savez, je le sais, tout le monde le sait, ça finit toujours dans un putain de laboratoire. Toujours. Prenez tous les Resident Evil. Il y a un putain de labo. Ça va, calme-toi. Vous avez vu un peu? Je fais pas de phasmo, les mecs, ils sont en PLS, quoi. On en fait demain du phasmo, mec. Il passe le bonjour? Ah, peut-être. What the fuck? Attendez, il faut que j'aille où, là? Attendez, ça va partir en couille. Il faut que j'aille où, chat? Ah oui, les deux seaux. Il faut que je retourne dans le grand hall. C'était quoi ce bruit? C'était quoi ce bruit? Une tronçonneuse? Non! Ça avait l'air du... Non, ça avait pas l'air d'une tronçonneuse. On aurait dit quelqu'un qui... Quelqu'un qui a bloqué ses clés dans la serrure ou... Attendez, je tourne en rond, là? Ah non. Je commence à être plus rythmé. Ouais. C'est le bruit de la quête pour entretenir le manoir. Ouais. Je pense qu'on va... Attends. Ouais, c'est là. Et là, je retourne pour aller dans la restricted area. Oui, c'est ça. Alors, je cours pas, hein. vous m'en veuillez pas, mais je ne cours pas. J'ai pas l'air d'avoir de yinche. Tronçonneuse, c'est bizarre. Ça fait pas ce bruit-là, une tronçonneuse. On aurait dû un truc bloqué. Ça y est. Let's go, baby. Enfin, on est dans la restricted area. Une porte qui se verrouille. Voilà, elle est vénère la porte. Mais c'est possible. Fuck. Il y a un petit côté Resident Evil 4 là. Ou Outlast. Merci. Putain. Mais la princesse est dans un autre château. Mon vrai nom c'est Robert. J'aime juste me déguiser en princesse et me mettre des petits doigts dans le cul. Oh, très intéressant la messe aujourd'hui. Hein. Putain, merci beaucoup Spartan. Alors. The way the world was created in... Ils disent que le monde a été créé en 7 jours. Ils disent que la mer s'est séparée en deux machins. Donc ouais, ils disent que l'homme sage a donné des gifts pour sauver l'humanité. Ok, il n'y a qu'un seul dieu. Ok, non mais ok, j'y crois pas entendu. Hein. Qu'est-ce qu'il faut faire? Attendez, c'est encore une énigme? Ils étaient pas là eux tout à l'heure là. Chat, ils étaient pas là? Des bisous Stonks. Ils étaient là? Ah non, ils étaient pas là. Quand il y a des emmerderies, c'est moi qui interviens. Ici, c'est moi qui fais la loi. C'est clair. Alors faites pas chier. Okay. Alors attends. Ah, il y a une porte ici, j'avais pas vu. Avec un code. Ah bah ok, j'ai compris. J'ai compris. Ouais, ça vient d'apparaître, on est d'accord. Donc 7, 2, 3, 1. 7, 2, 3, 1. Ok ? 7, 2, 3, 1. Oh là là, mais quel... Il y a un moment, ils vont se réveiller, eux.
tu sais ce qui est fou, Maïsan? Oh, miniature YouTube, mais oui! Miniature YouTube, mais bien sûr. Oh là, mais vous êtes... Et sans vous, chat, je serais vraiment rien. Regardez-moi cette miniature YouTube de qualité, là. Alors, je sais pas pourquoi, hein, Maïsan, mais depuis que t'as dit tronçonneuse, tu vois, je vois des membres coupés. Je me dis, putain, ça se trouve, ce connard, il a raison. C'est affectif, hein. Il va arriver à travers la porte, là, quand je vais m'approcher. Non. Comment tu vas, Pachinko, tu vas? C'est un Resident Evil, on joue au nouveau Resident Evil. Oula oula, ça ressemble à Sadako là. Il sort de la télé. Ok, donc elle dit qu'elle s'amusait à ramper à travers les conduits et tout pour se balader dans la maison. There is a door to your right. Il y a une porte à ta droite qui t'amène à la storage room. Après ça, c'est un long couloir jusqu'à la zone en hauteur du manoir. Et je t'ai laissé un petit cadeau là-bas. J'ai entendu Samuel à travers les murs. Tu as besoin de le tuer ou de l'éviter. Assez longtemps pour pouvoir ouvrir la porte. Samuel ? C'est qui Samuel ? Ok. Samuel. Samuel. Alors là, je suis d'accord. Là, c'est une tronçonneuse. Samuel Ntiti, il a changé hein, depuis qu'il est allé à Lyon. Ok, qu'est-ce qu'on fait? On le bute? On essaye de le buter? Ça a sauvegardé ou pas? J'ai pas vu. Évite-le. Il est là. Regardez, il est là. Pensez que... Holy fucking shit, Mamanovic, hate me. Je suis bloqué. Tu n'auras pas ma peau! Bim! Oh, il est où le patron? Samuel, ferme ta gueule! Oh, le petit headshot des familles! Raté deux coups dans un couloir. Je l'ai pas raté? C'est toi qui as la vision très lente. Je ne l'ai pas raté. J'étais du noscope. Ok. Tu vois, on a bien fait de garder notre pompe. La chance que t'as. Non mais c'est quoi ces petits mecs là qui arrivent dans le chat qui disent ouais, c'est quoi cette chance que t'as? Depuis quand? C'est de la chance. Moi je le refais si vous voulez. Ok. T'as bien une grande gueule pour quelqu'un qui vient d'arriver sur Twitch. Tiens. Alors. C'est pas du calibre 12? Ah, c'est quoi comme calibre? Là, y'a rien. Alors.
sondage, chance ou pas. Non, mais c'est pas de la chance, arrêtez. Le headshot que je lui ai mis, c'est pas de la chance. Tu peux récup... Non, le corps a disparu, S. Je voulais regarder si on pouvait récup la... la tronçonneuse. Oh, ça aurait été stylé. C'est du second degré, mettre. Je sais pas, ça doit être des billes en carton ou du caoutchouc. Non, mais le mec était... Le mec était très... très musclé, très... Ah, c'est le long couloir dont elle parlait, la bitch. Christina, pardon. Oh là, c'est long. Ma famille est venue ici il y a 8 ans. Mon père. Une invitation, une thérapie de groupe. Oh là là. D'accord. Je vous laisse lire, chat. Hein. Residential Area. Est-ce que c'est un petit clin d'œil à Resident Evil? Peut-être. Pourquoi pas. Donc, c'est par rapport à une mixture d'herbe qui s'appelle le Death Bloom. Donc, c'est une drogue. Ok. C'est la drogue qu'ils m'ont injectée dans l'Observatory, dans l'épisode 1. Ok. Un mec. Augustine, c'est un mec? Ok. Donc, il a dit que ça allait l'aider à le calmer, machin. Ok. Ok, oui, c'est une drogue qui a mal tourné, quoi. Ok. Des cartouches. Oula, mais attendez, ça sent le boss, là. Ça sent le boss. Bon, c'est du lore, hein, c'est pas... C'est trop loin à vous traduire, hein, m'en veuillez pas. Hein, je lis juste. Si vous parlez anglais, lisez. Ok, apparemment, ils disent que Death Bloom, c'est pas juste un médicament, c'est un don du ciel qui te donne des visions, des hallucinations et qui aide ceux qui sont malades et qui te permet d'avoir des visions sur la vie après la mort. Ok, donc c'est un truc, ouais. Je vois, c'est un peu Resident Evil 4 délire, quoi. Ok. Ça s'appelle le LSD. Bientôt la fin. C'est vrai que ça sent la fin, mais là, c'est vrai qu'il me donne beaucoup de munitions. Je trouve ça bizarre, hein. Oula, je trouve ça bizarre. Ma mère a commencé à se disputer avec mon père depuis qu'elle est partie, machin. Donc Christina, ça doit être la sœur de ma mère, hein, j'imagine. C'est pour ça que ma mère a coupé les ponts avec mon grand-père, du coup. Puisque c'était des malades. Ok, dans le jardin. Jamais bon signe les sauvegardes. Bah les sauvegardes et les munitions comme ça, c'est vrai que c'est jamais bon signe, ouais. Puis sur là il te raconte toute l'histoire du jeu, quoi. Donc voilà, je vous laisserai mettre pause, hein, si vous voulez lire. Je suis pas j'aime bien l'histoire, mais je suis pas un grand friand des monologues comme ça, tu vois. La carte. Oh non, 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 me dis pas. C'est pas fini. C'est pas fini. On that day, Augustine Bergman became my father in the congregation my family. Ah, c'est pas son vrai père, ok. Tragédie de perdre ses parents et son frère me fait toujours de la peine, mais maintenant, je ressens de la joie d'avoir avec moi une maison, une congrégation des résidents et le Death Bloom, la fleur de la mort, pour me donner ma vraie... Ok, donc en gros, c'est une secte. C'est une secte qui a trouvé une drogue qui les transforme en zombards et qui leur donne l'impression de voir ce qui se passe après la mort. Ok. En gros, l'histoire, c'est ça. Ok, ok. Comment tu vas, la femme mystérieuse? Tu vas bien? Chat, ça fait combien de temps qu'on a commencé l'épisode 2 de YouTube là? J'ai oublié de mettre un timer. Puissante la drogue, hein. Très puissante. J'imagine qu'on peut pas retourner en arrière. Ouais. Ah, il y a encore du temps. Vous direz que ça ferait combien de temps? Ah. J'ai 92 balles, hein. Vous le voyez. 3 heures? Non, non, non. Le deuxième épisode de YouTube, ça fait combien de temps qu'on l'a démarré? Ah, c'est une poupée? C'est la même poupée qu'il y a dans... Qu'il y a dans Within Hour? À peu près. Oh, c'est stylé. Attendez, je visite un peu. Miniature? Non.
Ça va faire redondance après au niveau de la miniature. Oh, ça m'a soigné. Nice. Ça m'a soigné, je me suis battu contre Samuel. Là, à vue de nez, combien de temps vous diriez que ça fait? Alors, je peux monter à l'étage. What the... Non. Faut qu'on se tape contre la poupée. Tu veux manger du goût? Elle est là. Tiens. Prends ta... Saloperie. Elle aussi, elle danse. Ok, 2 balles de pompe. Ok, donc c'est là que le jeu devient... Comme les Resident Evil au final. Qu'est-ce qu'il a mis? Projecteur. Ok, j'ai un projecteur sur la map. Mais il me faudrait des cassettes ou quelque chose. C'est vrai que la fin, quand tu finis les Resident Evil, c'est vrai que ça devient... Ça devient... comment dire? Oula, qu'est-ce qu'il y a? Le vélo de maman, ça n'a pas bougé. J'ai pas bougé? Tu m'engueules? Hein, pardon? J'ai oublié de bouger le vélo de maman. Aïe, gomenasai. Oh, elle est venue me gueuler dessus. Et elle m'a regardé comme ça. Je lui ai dit gomenasai et elle m'a fait. Elle est partie. Oh là 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 là. Elle à l'adolescence, ça va être un enfer. Ça va être un enfer. Alors, quelqu'un pense qu'un jour un jeu de fantômes dépassera Phasmophobia? Oui, femme mystérieuse. Le jeu The Hauntings. Je suis partenaire avec ce jeu magnifique. Alors attends. Ok, la poupée a pas fait long feu. Alors on va bientôt s'arrêter, chat. On fera un troisième épisode. Bientôt, on va monter à l'étage. Là-bas, il y en a un, regardez. Il y a une poupée. Ok, donc c'est plus des zombies maintenant, c'est des poupoupes. Là, attendez. Est-ce que vous pensez que je le one-shot avec le couteau, comme les zombies? Je pense pas, hein. Ce serait cheaté, le couteau serait trop cheaté. Oh, mais c'est quoi ce couteau de MacGyver, là? Ah, elle le fait déjà, ouais. Non, mais le couteau, il est cheaté. Meilleure arme du jeu, hein. Je prends mon temps, chat, car découvrir un Resident Evil, c'est pas tous les jours qu'on peut se le permettre. Ah ouais, non mais le couteau, comment tu vas Yumi, tu vas bien? Je pense qu'on va vite fait visiter, puis on va s'arrêter. Et on reprendra... Il y en a deux. On va utiliser le flingue un peu, j'ai beaucoup de balles. Est-ce qu'ils viennent jusque là ou pas? Et pourtant, j'ai pas couru, hein. Oh, on l'a vu. Attends. Et me prends pas par derrière, toi. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, je pense qu'il dépop. Enfin, je pense qu'il retourne à son... Il arrive. Non? Qu'est-ce qu'il branle? C'est bon. Il arrive. Ok, trois balles dans la tête. Easy. Oh, on voit même les douilles et tout. Trop bien. Ouais, non, ils ont pas une AOE. Ils ont... Je pense qu'en fait, ils me voyaient sur le côté. Regardez, parce que lui, il est pas venu là-bas. D'ailleurs, si je me baisse pas, est-ce qu'il me voit? Si je marche juste. Ah ouais, non mais c'est cheaté, t'as même pas besoin de te baisser. Ok. Alors attends. On a des munitions. Non mais c'est bien, le jeu commence à devenir un peu plus action que horreur. C'est comme les Resident Evil au final.
On a un projecteur, on va continuer à fouiller vite fait. Il patrouille, ouais, il patrouille, c'est ça, il patrouille. Par contre, autant tu vois le Death Bloom, ça explique vite fait pourquoi c'est des zombards. Vite fait. Hein. Autant des poupées avec des couteaux, je comprends pas. Oh l'enculé. Roland de son prénom. Pourquoi tu meurs pas? What? Il faut combien de headshots dans la gueule? On va se le faire au couteau, on est des tarés. Mais... Pouah, un coup de couteau! Non mais le couteau c'est tellement le feu! T'as du gras dans le dos ma couille! Des bisous Mehmet. Ah, attends, pourquoi je suis venu ici? Y'a rien. T'es sérieux? Une cassette. Ah, pour le projecteur. Pour le projecteur. Ok. Escalier, il va... Je suis à la prayer room. Ok. Vise entre les jambes, c'est un coup sûr. Ouais, j'ai l'impression, hein. On va sortir l'arme la plus pétée du jeu. Le coutal. Oh oui, reste bloqué, reste bloqué, reste bloqué. Ah oui. Oh, regardez-moi cette miniature YouTube. Ah oui. Bonjour YouTube. C'est moi, Orson Welles. Oh, la miniature YouTube magnifique. Des bisous. Je pense qu'on a fait le tour là. Oh putain. Je suis dans la galerie d'art. Oh, il y a l'air d'avoir une énigme ici. Attends. Je sais pas si ça vaut le coup de visiter. Ah bah si, ok, on est dans la salle du début. Donc c'est bon. Là, y a rien. Là, y a rien. C'était sûr. Ah, il peut me toucher quand même, hein. Faut que je fasse gaffe. Je peux le toucher loin, mais il peut me toucher quand même. Okay. Bon, en vrai, on a pas mal de munitions. Ok, à mon avis, il y aura une énigme plus tard ici. Il y a forcément un truc avec des lumières allumées, ou... mais on n'a pas encore l'info, je pense. Ouais, ouais, c'est un zombie. Profite un peu de cet art magnifique. Mais tu as raison, Abyss. On ne prend plus assez de temps de profiter de l'art. À tous les coups, il y a un lab. Derrière cette porte, il y a un putain de labo. Journal d'Enna. Je suis contente d'avoir de m'être portée volontaire pour aller à l'école le dimanche. Rien que là, déjà, dans la première phrase, tu sais que c'est une connasse. Je veux dire, chat, soyons honnêtes, qui se porte volontaire pour aller à l'école le dimanche? Déjà. Ok. Ok, ils ont fait des masques en cours. Okay, okay. Qu'est-ce qu'on a ici? Je viens d'arriver, mais je pense quitter et regarder la rediff entière pour pas me spoiler. Ouais, tu devrais. C'est bloqué avec un mécanisme. Ok, donc j'imagine qu'il faut ouvrir ça plus tard. Alors attends, chat, maintenant qu'on a fait le tour, on va aller dans la salle des projecteurs, du coup, on va regarder la vidéo. Et puis on va sûrement se quitter. C'était à l'étage, hein, la salle des projecteurs. C'était à l'étage? Je sais plus. Des bisous, Sacha. Des gros bisous. Merci d'être passé. Attendez, là, il y a quoi? Donc, c'était pas... Oh, on a une nouvelle arme? Oh, qu'est-ce qu'on prend?
Je l'aime bien cette arme, mais celle-là, elle doit être mieux quand même, non? 9 mm? On est sur du 22 ou du 9 mm? Qu'est-ce que vous préférez? Ouais, on dirait un Glock, ouais. Ou alors juste un Beretta. Ouais, ça ressemble un peu... Ça ressemble au Glock, quand même. On prend le 9 mm, on est d'accord. Let's go, baby. C'est bizarre qu'il n'y ait pas un zombie qui nous attende, là. Ok. Ah ok, on va prendre un truc ici et puis ça va s'ouvrir. Ok. On prend le pompe ou pas? Non. On a trouvé une petite clé. Bâtard! Le jeu joue avec nos nerfs. Hein. Ouais, je sais, Mamanovic. T'as essayé de me mettre main au cul. Mais si, je t'ai vu. Ok. Alors, le projecteur, du coup, c'est en bas. On va redescendre. Ce qui est bien, c'est que la musique, elle est pas... Attendez, j'ai pas visité ici. La musique, elle est pas redondante. C'est ça que j'aime bien, moi. Et on dirait que ça marche, donc j'imagine qu'il faut qu'on trouve un CD. Ok, il y a un vieux gramophone. Ah, les énigmes avec la musique... Oh, attendez, mais c'est pas une guitare, ça. Est-ce que vous avez vu la taille de cette guitare? Elle est aussi grande que moi, je fais 1m85. Oh, j'ai une autre cassette. Putain, il me fait peur, lui. C'est la guitare de Samuel. Ah, peut-être. C'est peut-être un artiste, après tout. Hein. Il était juste incompris. En trois mots. Alors attends, elle est où cette putain de salle des projecteurs? Elle est où la salle des projecteurs? Le bar? Attendez, je suis paumé là. Ici. Attendez, là, je suis dans quelle salle? Je suis dans le bar, ok, c'est là. J'ai tué ma première poupée. Ok. Oh, stylé. Ok, il y a des soins. C'est stylé. Qu'est-ce qu'on a ici? Est-ce qu'on a sur la carte ici? Storage, projecteur. Ok. Bonjour. Oh, on a le disque, le gramophone. Nice. Et on a des munitions de 9 mm. Let's go, baby. Oh putain, j'adore ce jeu. J'adore ce jeu, mais vraiment, quoi. Un truc de ouf. Mais, mesdames et messieurs, il faut s'arrêter là. On va se caler devant le... Attendez. Vous savez quoi? On va s'arrêter la prochaine fois, ça sauvegarde. Oh là là. Mais par contre, ça change rien. C'est juste le chargeur qui est plus grand parce que... C'était quand même 3 balles dans la tête. Attends. Non, on va s'arrêter. Il faut que ça sauvegarde quand même parce que je peux pas sauvegarder là. Est-ce que ça a sauvegardé quand j'ai pris le... Quand j'ai fait les cassettes ou pas? Soyez honnête, chat. Soyez honnête. Je suis pas sûr. Alors attends, le gramophone, il était où? La salle de musique? De l'autre côté du... On va éviter de courir. Là.
Comment ça, je l'ai loupé? Ok. Ok, lui, il est là-haut. Si, si, tu fais non, mais si, si, hein. Il y en a un là. Okay. Je crois pas, hein. Je crois pas non plus. Donc, je pense qu'on va aller foutre le gras. Par contre, le... Attendez, il est où, le granophone? Il est de l'autre côté. Il est par là, non? Oh, le bâtard. Je l'avais pas vu. Ok, Michael Jackson est toujours là. Il y en a un derrière. On peut faire une double. Inception ! Inception ! Ah, dommage. C'est de l'œuvre, c'est de l'art, vous pouvez pas comprendre. Ah, c'était là, c'était là, c'était là. Oh là là, mais c'est le système de sécurité le plus piné du monde. Attendez, écoutons un peu la musique. Grave cool, super musique. Il faudrait un petit beat derrière, tu vois. Alors, ça m'a ouvert la porte. Il est où, ce bâtard? Il doit être à l'étage. Là. Oh, on s'en fout. Alors, est-ce qu'on va arriver dans un laboratoire? Non. Putain, mais ce jeu ne sauvegarde jamais, là! C'est pas possible! Pardon. Ah, attendez, 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 attendez. Ah, je suis désolé, hein, mais l'arc, tu dégages. Hein. Ah ouais, ouais, ouais. Oh my god. Comment tu vas cesser? Il faut que je le teste. La musique est grave cool. Attendez, on va laisser le faire. L'escalier, il est où? C'est cadeau, YouTube. C'est pas une M16, c'est on dirait plutôt un MP5. Il est pas loin. Il est pas loin. Là, il y a des escaliers. Ouais, c'est une MP5. On l'appelle le sniper. Sympa. Il a l'air d'avoir une bonne cadence de tir. Oh là là, avec les douilles par terre et tout. Je suis sûr que si on retourne au tout début du jeu, il y a toujours les cadavres. Ah ouais, non mais... les mecs, mais bien sûr, Poison. Les mecs qui me demandent est-ce que je veux prendre un arc ou une MP5, je crois qu'il n'y a pas photo. Merci énormément, Poison, pour le Prime. Non, pour le sub, pardon. Ce n'est pas un Prime. Merci beaucoup. Let's go. Résistant, il est de quelle origine, ce garçon? Il est d'origine porcelaine. Porcelaineuse. Alors, il te donne une MP5 au calme. Au calme. Est-ce qu'il y a de la destruction, tiens? Non, faut pas déconner. Je vous rappelle qu'on parle du premier jeu d'un mec tout seul. Hein. C'est assez ouf. It's time to go. Est-ce que c'est la fin du jeu ou pas? Ce n'est pas la fin du jeu, nous avons une sauvegarde. On se retrouve dans une autre partie du manoir. Je ne sais absolument pas où, et ça, mesdames et messieurs, on verra la prochaine fois, baby. En tout cas, je pense que là, il nous donne une nouvelle arme et tout, on s'approche vraiment de la fin. Putain, YouTube! J'espère que t'as kiffé, en tout cas, ce deuxième épisode sur Deathbloom. Moi, j'ai sûr qu'il sait. Ce jeu est complètement ouf. N'hésitez pas à partir de cette vidéo et aller acheter le jeu et allez vous le faire. Il y a le chapitre 1, chapitre 2, je crois que c'est 3-4 heures par chapitre. Pour moins de 10 balles,
C'est hallucinant. C'est hallucinant. Voilà, n'hésite pas à partager, commenter, liker. Toi-même, tu sais, à venir nous voir sur Twitch si tu veux voir les choses en avance. Des bisous. Prends soin de toi. Et des belles miniatures. Et des belles miniatures.